Voilà un petit moment que je n'ai pas fait de tirage et depuis 2 jours là, je sens le besoin de refaire une guidance. Donc j'ai préparé avant parce que j'ai fait ma protection et tout avant et comme ça le tirage a été fait mais on a la lecture en direct. Alors j'ai donc pris où est-ce qu'elle est là. J'ai donc pris les tarots de Doreen View et j'ai pris aussi les oracles de Gaïa pour le petit message de Gaïa. Bon alors que nous disent les anges? Alors, le premier que j'ai tiré, c'est le 10 de feu. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Voilà. Le 10 de feu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Donc, à mon sens, oui, effectivement, en ce moment, il y a un grand travail à faire. Il y a un grand travail à faire. Et nous avons besoin les uns des autres pour venir à bout de ce travail. Et effectivement, si nous faisons attention à tout ce qui se passe actuellement, nous réalisons que... ça nous apporte beaucoup de stress. Donc, laissez passer, lâchez le stress, travaillez en commun, faites-vous aider si nécessaire, de façon à éliminer ce stress. Pour compléter ce que je viens de vous dire, on va voir ce que dit le petit livret. Donc, le 10 de feu. Le 10 de feu. Et j'essaye de faire en sorte que ça tienne bien. Voilà. Donc on prend le livre et on regarde le 10 de feu. Ah oui, hein, je le fais en direct avec vous, comme ça vous voyez que je ne fais pas de fausse guidance. C'est vraiment à l'instant T. Donc, le 10 nous dit, vous avez travaillé trop fort et investi trop de temps. Vous devez rétablir l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Vous tentez d'en faire trop. Commencez à accepter l'aide qui vous est offerte par autrui. Il est tout à fait normal d'espérer que votre situation ou votre projet connaisse un dénouement positif. Cela dit, vous devriez revoir votre emploi du temps afin que les activités pénibles ou inutiles y prennent moins de place. Ralentissez votre tempo, adoptez un rythme plus confortable. Voilà. Donc forcément, si vous vous faites aider, si vous demandez de l'aide et si vous voulez accepter l'aide qu'on vous propose, tout se mettra en place et vous verrez plus rapidement les bonnes choses arriver. Mais prenez le temps de vous savoir exactement ce que vous voulez et où vous voulez aller. Voilà. Alors, la deuxième que je découvre avec vous, c'est le 3 de terre. Le 3 de terre. Et cette carte nous dit... Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Alors vous avez bien, on a tous bien travaillé, le 3 de terre. Nous avons tous bien travaillé et nous allons éventuellement récolter les fruits de notre labeur.
120. Alors, 3 de terre. 3 de terre, 3 de terre. Vous pourriez résoudre la situation qui vous préoccupe à l'aide de du labeur et d'une bonne planification. Vos immenses talents et compétences pourraient faire l'objet d'une reconnaissance ou d'une récompense. Investissez-vous dans un travail qui vous passionne et donnez le meilleur de vous-même, votre créativité sera grandement récompensée. Vous pourriez être appelé à vous joindre à un groupe ou à un organisme. Tâchez de faire preuve d'esprit d'équipe et de collaborer avec autrui dans le cadre de ce projet. Donc voilà, les choses se mettent en place. Alors peut-être pas comme vous l'auriez souhaité, mais elles se mettent en place. C'est à nous de saisir l'occasion, l'opportunité. Et si on est appelé à travailler en groupe, en communauté, avec une communauté ou avec un ensemble de personnes, c'est le moment de faire valoir notre esprit d'équipe et puis d'aller de l'avant, en fait. Voilà, d'aller de l'avant. La troisième carte, c'est la 4 de terre. Voilà, je la découvre avec vous. 4 de terre. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la 4 de terre? Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires. Partager ses richesses avec les moins nantis. Je crois que le message est clair, il n'y a pas besoin de trop expliquer. Vous allez avoir finalement les rentrées que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Néanmoins, ne vous servez pas des richesses que vous pourriez avoir. Pour les garder pour vous, faites-les partager, que ce soit des richesses financières ou des richesses de cœur. Partagez, donnez, et c'est ce que j'ai toujours dit, partagez, donnez, faites don autour de vous partagez votre savoir, parce que votre savoir est aussi une richesse. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit livret? Cette carte peut symboliser les extrêmes. Il peut s'agir d'un avertissement vous étant adressé afin que vous preniez soin des ressources dont vous disposez. Alors, des ressources, peu importe les ressources. Hein. Le moment peut être venu de commencer à épargner et à restreindre vos dépenses. Alors, cela... Pardon. Cela est pour le côté financier. Alors, pour ceux qui n'ont pas de gros moyens financiers, vous comprendrez que cela n'est pas pour vous. Il est également possible que vous soyez beaucoup trop prudent sur le plan financier. Cette carte peut aussi vous inciter à consacrer du temps ou de l'argent à des œuvres de charité et à de nobles causes. Vos efforts sont récompensés. Soyez toutefois aux aguets et à l'affût de nouvelles possibilités. Le changement est inévitable et peut vous rapprocher de nombreuses sources d'abondance. Faites preuve d'ouverture face aux occasions, nouvelles et enthousiastes qui pourraient surgir. Ne prenez pas à la peur de brider votre action. Ne permettez pas à la peur de brider votre action, pardon. Donc, pardon. Avec cette carte, vous avez les abondances, mais ne les gardez pas pour vous, partagez-les. Alors que ce soit l'abondance du cœur, l'abondance, peu importe quelle que soit l'abondance que vous avez, l'abondance du cœur, l'abondance financière, tout, partagez, donnez autour de vous et n'ayez pas peur de recevoir.
N'ayez pas peur de recevoir, parce que recevoir est aussi une façon d'accepter et d'accepter ce que l'on vous donne. Donc c'est un échange d'énergie. Donner pour mieux recevoir et recevoir pour mieux donner, c'est le but. Alors, quel est le petit message de Gaïa, l'oracle de Gaïa? C'est quoi? C'est la perception. Voyez, la perception. La perception nous dit derrière le voile de l'illusion. Dis donc, très parlante cette carte. Nous sommes dans le voile de l'illusion. L'illusion fait partie de notre vie là actuellement. C'est à nous de faire un choix. On reste dans l'illusion ou on sort de l'illusion? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on reste dans l'illusion en faisant attention à tout ce qui pourrait nous enlever. Si on reste dans l'illusion, est-ce qu'on va faire attention à tout ce qu'on pourrait nous enlever, toutes les nouvelles de nos anges, c'est-à-dire toute cette abondance financière qui pourrait nous tomber dessus et auquel on pourrait faire partager tout le monde? Ou est-ce qu'on sort de l'illusion afin de recevoir l'abondance, le bonheur, et de pouvoir partager avec ceux qui en ont moins, beaucoup plus? Donc, on va voir ce que nous dit... Elle est là. Alors, voyons voir ce que nous dit notre petit livret, la perception. Alors, la perception, derrière le voile de l'illusion. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances et les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Voilà. Ah donc, c'est ce que je vous disais. La perception, donc le petit message de Gaïa. Moi, je le trouve très intéressant. D'ailleurs, le dessin est très beau. Voilà, le dessin est très beau. Et cette carte parle exactement, je trouve, de ce qui se passe actuellement, le voile de l'illusion. Ne pas se laisser berner par tout ce qu'on entend, par tout ce qui nous dit, par tout ce qu'on entend, par tout ce qu'on nous dit. Si ça ne parle pas à notre cœur, ne pas en tenir compte. Prendre donc ce qui est bon et laisser ce qui ne vous parle pas. Parce que si ça ne vous parle pas, si ça n'est pas encore en accord avec vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Et donc, de ce fait, il ne faut pas en tenir compte, tout simplement. Alors, faites appel à votre intuition. Si quelqu'un vous dit quelque chose qui semble très vrai, mais qui ne résonne pas en vous, dans votre cœur, n'y faites pas attention.
Prenez juste ce qui est bon pour vous. C'est très visible en ce moment avec tout ce qui se passe. Hein, on entend un peu tout et n'importe quoi sur ce qui se passe actuellement. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a il ne faut pas s'arrêter sur ce que l'on voit, sur ce que l'on entend. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous centrer et pour voir vraiment ce qui résonne en vous. De toute façon, ce tirage n'est absolument pas négatif, bien au contraire, c'est un tirage qui, à mon sens, est très positif. Il est porteur de très bonnes choses. Et le fait est que dans l'heure actuelle, en ce moment même que je vous parle, on est dans le voile de l'illusion. Donc, c'est à nous de voir ce qui nous semble juste ou pas. C'est à nous de voir ce qui nous semble correct ou pas pour chacun d'entre nous, de voir où se trouve notre vérité, celle que l'on veut voir vivre, celle que l'on veut voir naître, hein, après ce... une fois que le voile de l'illusion aura disparu, celle que l'on veut voir naître, apparaître, et surtout ne pas s'attarder sur ce que peuvent nous dire les gens, sur ce qu'on peut entendre, sur ce que... parce que ce sont leurs perceptions à eux, et leurs perceptions à eux ne correspondent pas spécialement avec ce que l'on ressent et nos perceptions à nous. Donc, on nous parle d'argent, d'abondance. Attention aux extrêmes. N'allez pas trop dans les extrêmes. Restez centré. Tout va rentrer dans l'ordre. Quel que soit ce que l'on vit actuellement, tout va rentrer dans l'ordre. Et surtout, n'oubliez pas que nous sommes dans un monde d'illusions. N'oubliez pas que tout ce que l'on vous dit, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ça n'est pas pour vous. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette nouvelle guidance. J'espère qu'elle aura été en relation avec ce que vous ressentez. Surtout si vous sentez que ça ne vous parle pas, ne vous forcez pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Prenez juste ce qui est bon pour vous. Voilà, alors je vous souhaite de très bons moments à venir, de beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, d'amour et de santé en vous, dans votre cœur. Et à très bientôt pour une autre guidance.